cinéma d'emblée a été d'une dimension universelle. Bien sûr, il y a les Frères Lumière ont tourné des films à Lyon, mais tout de suite ont envoyé des opérateurs à travers le monde. Et presque spontanément, tant dans la création que dans l'exploitation, puisque le cinéma a envahi le monde entier, l'idée d'une communication et d'un partage par le cinéma était constitutive de la naissance du cinéma. Et ça n'a jamais arrêté, même s'il y a une certaine domination du cinéma américain. Et l'Amérique s'est servie du cinéma pour proposer sa vision du monde et de la vie. N'empêche que la façon la plus forte pour la population mondiale de communiquer, jusqu'à l'invention de la télévision et puis après d'Internet, ça a été le cinéma. Et c'était naturel. C'était naturel parce que c'est la tendance naturelle des peuples de connaître ce qui est différent, de voyager, de ramener des images, de transmettre. Et c'est ce que le cinéma naturellement a fait. Et aujourd'hui, c'est devenu très intéressant aussi pour ça, pour l'éducation des jeunes générations, parce que le cinéma leur permet de connaître ce qui ne leur ressemble pas. Alors bien sûr, maintenant il y a Internet, etc. Mais le cinéma avait quand même une manière de, non pas de contrôler ces images, mais les images du cinéma, on pouvait leur faire confiance. Alors qu'aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas faire confiance toujours aux images. Il n'y a pas de complotisme dans le cinéma. Il n'y a pas de manipulation dans le cinéma. Il y a des films qui tentent de le faire. Mais il y a une contre-lecture du cinéma parce qu'on a inventé la critique, l'esthétique, l'histoire qui permettait de lire l'histoire du cinéma. Donc je pense que c'est une chose qui reste importante et qui le sera de plus en plus parce que même si désormais, et depuis la télévision, les images animées sont faites ailleurs qu'au cinéma, les images animées du cinéma restent, à mon avis, les plus fortes esthétiquement, mais aussi politiquement. L'importance des archives, d'abord, est récente. Récente, ça a une cinquantaine d'années, 60 ans. Au début, on ne pensait pas que la mémoire du cinéma, c'était la mémoire du monde. Et aujourd'hui, on le sait. Donc, je suis très heureux, moi, d'être ici à Budapest pour voir que le travail qui est fait dans d'autres villes du monde et de France est fait également en Hongrie. Je n'en doutais pas, mais j'en ai la preuve. Parce que partout dans le monde, aujourd'hui, on veille sur l'histoire du cinéma comme on veille sur l'histoire de la musique, ou sur l'histoire de la peinture, ou sur l'histoire de la littérature. Et même si ça a pris du temps et que 70, 80, 90% du cinéma muet a disparu, on sait que maintenant il faut faire très attention. Mais la préservation des archives, c'est plus seulement une préservation matérielle, c'est une préservation culturelle, une préservation civilisationnelle, puisque précisément, là où il ne s'agissait que de sauver des œuvres, aujourd'hui il s'agit de sauver un savoir-faire, une pratique qui renvoie aussi à ce qu'était le cinéma. Voir par exemple comment l'Urania, aujourd'hui, est une salle de cinéma historique de Budapest, qui reste une salle de cinéma, c'est très important. Parce qu'il y a une différence entre une salle comme l'Urania, qui est une salle très belle et très qui ramène dans les années où elle a été créée. Bon, il y a une différence avec les multiplexes d'aujourd'hui. Mais les multiplexes d'aujourd'hui seront, dans 50 ans, aussi des lieux dont on dira, à l'époque, on voyait le cinéma comme ça. Donc, la préservation du cinéma, c'est la préservation, pas seulement des œuvres, pas seulement du matériau, c'est aussi la préservation de quelque chose qui ramène à Louis Lumière, qui ramène à l'invention du cinéma, c'est-à-dire que le cinéma était quelque chose de collectif et que le cinéma était une affaire de partage. Aujourd'hui, Internet, les plateformes, c'est une affaire individuelle. Je pense que le cinéma ne disparaîtra pas, mais qu'il faut quand même se battre
pour le préserver et éduquer les jeunes générations pour avoir le plaisir, pas comme un plaisir coupable, pas comme un plaisir nostalgique, mais comme réellement quelque chose de différent qui a la même force qu'il y a 100 ans, qui a la même force qu'il y a 40 ans, avant l'invention d'Internet ou des plateformes. Et donc, je crois que plus ça va, et plus ça deviendra important. Si les politiques en sont convaincus, si les enseignants en sont convaincus, si les familles en sont convaincues. Et du coup, ça ramène ensuite aux œuvres, parce que la manière dont on a créé des œuvres dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, et même au temps du cinéma muet, avec cette sorte d'innocence qu'il n'y a plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les images sont toutes truquées, manipulées, c'est important de voir ça. C'est important de voir ça. Et je crois qu'il ne faut pas penser que la préservation, les archives et les cinémathèques sont une chose du passé, c'est une chose qui va devenir de plus en plus importante à l'avenir.